Bon, du coup, mesdames et messieurs, hier, je vous ai parlé d'une technique qui vous permettait donc de level up vos derniers niveaux grâce au métier. Bon, il y a tout plein de vidéos là-dessus, hein. Il y a des vidéos même depuis la bêta, donc je n'invente rien, évidemment. Mais voilà, beaucoup de personnes parmi vous dans le chat m'ont demandé de vous montrer comment fallait faire. Donc, je vais vous montrer. Donc, par exemple, mon évoqueur est level 68. Je vais donc récupérer le métier donc de forgeron et de travail du cuir. Je vous ai dit que c'était les deux métiers. Ça a été pas mal nerf, d'ailleurs, hein, le level up avec les métiers. Mais je vous ai dit que c'était les deux métiers qui vous permettaient le plus de réaliser ce petit tips. Parce que ça a été pas mal nerf. Donc là, j'ai récupéré le métier de forgeron. Forgeron, vous allez dans vos trucs de profession, je vais le mettre là. Boum. Et donc là, très simple, pour level up avec vos métiers, ça ne marche pas avec tous les crafts, évidemment. Ça marche uniquement avec certains crafts. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cocher les crafts que j'ai dans mon bouquin. Donc je suis level 1. Et les crafts, first craft bonus, c'est les crafts qui vont faire un bonus. Et ces crafts ne vont donner de l'XP qu'une seule fois. Vous ne pouvez pas craft en boucle ces items pour vous donner de l'XP. Donc ça ne va marcher qu'une seule fois. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux crafts disponibles qui vont donner de l'XP. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais acheter les compos. Donc les primal flux, ça c'est une compo que vous achetez à l'artisan. Les barres de terre-vite et les barres de draconium. Donc c'est ça que je vais devoir acheter. Je vais en acheter. Je vais prendre l'HV, ma monture HV. Draconium, on va regarder le prix. On va acheter celle qui est le moins chère. Donc on voit que la qualité 2 et la qualité 1, enfin la qualité 3 sont équivalentes en termes de gold. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en acheter, je sais pas moi, 40. Boum. On achète 40 comme ça. On en achète 40 comme ça aussi. 16 PO unité. Boum. J'en ai acheté 140 là, je crois. Sans faire exprès. Hop, on récupère. Ouais, j'en ai acheté 140. On récupère. On achète des cosmic flux. Des primal flux, pardon. Je vais en acheter 80. Boum. Et là, je vais ouvrir mon truc de métier. Et là, regardez ma barre d'XP. Regardez bien ma barre d'XP. Je crée un marteau. Boum. Vous avez vu mon XP? Je crée des brassards. Regardez mon XP. Boum. Voilà. Une fois que j'ai fait les deux premiers items, je retourne parler à mon PNJ. Je réapprends la suite. Je réouvre mon métier. Et là, vous voyez que j'ai 3 items qui vont me faire level up. Alors, évidemment, cette méthode est plus efficace avec forgeron et travail du cuir. Mais, bien entendu, à la fin de votre level up, vous pouvez désapprendre votre métier et prendre le métier que vous voulez. Hein. C'est logique. Ça va vous coûter à peu près entre 40k et 100k PO pour faire ça, mais ça vous économise 2 niveaux. Donc là, j'ai d'autres items à créer. Je vais les créer. Boum. On va faire ça. J'ai 2 icrèmes à craft qui vont me faire level up, probablement. Vous voyez, je suis à 95%. Boum. 100%. Et boum. Alors, bien sûr, ça, c'était... Vous pouvez aussi avoir les compos avant même de... Vous pouvez avoir déjà les compos dans votre sac. Hein. Moi, ça prend un peu plus de temps parce que j'avais pas les compos et tout. Hop. C'était quoi avant le nerf? C'était 6 levels en 20 minutes. Eh bien, nous sommes bientôt à 2 levels, hein. Est-ce que j'ai encore des trucs à craft? Ouais. Il va me manquer peut-être quelques pourcents. Bah après, je peux prendre... je peux prendre TDC en vrai. Ok. Je suis niveau 49. Donc maintenant, j'ai plus rien. Donc ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller prendre TDC. Laserworking. Voilà. Laserworking, profession, laserworking. Ok. Pareil, même principe. Show and learn. On coche first craft bonus. Et là, c'est tout con. On va aller chercher... on va aller chercher... Vous savez quoi? Je vais mettre une boîte aux lettres ici. Boum. Boum. Et boum. Et boum. Level 70. Voilà. Voilà, GG. 2 levels. 2 levels en 5 minutes, 10 minutes, juste parce que... j'étais en train d'acheter mes items. Voilà. Voilà, petite astuce pour vous. Bon, encore une fois, hein, j'ai rien inventé. Hein. Ça, c'était déjà... c'était même pire avant la release sur la bêta. C'était vraiment bien pire. Je vous dis, vous preniez 6 levels en l'espace de 20 minutes. Donc...